Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes, je salue toute la forêt. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Donc, on dira à mon moussibé, full Guinéen, partagez aux vidéos quand les groupes de faux, partagez. Donc, Les soi-disant campagnards de Mamadi Doumbouya, là, ceux qui sont en train de pousser ces psychopathes délinquants qui veulent venir imposer aux Guinéens la dictature fanfaronnade, c'est comme ça, ça se dit, la dictature fanfaronnade qui va venir imposer aux Guinéens qu'il sera candidat. Il est très bien, c'est-à-dire le rêve, rêver de devenir président aussi, c'est bon deux fois. S'éterniser au pouvoir. Dadis a dit, lorsque tu veux te cramponner au pouvoir, que le peuple n'est plus avec toi, tu auras tout genre d'humiliation dans ta vie. Ça, c'est le message de l'ancien président de la transition de la République de Guinée. Donc, je voulais tout simplement dire à ces psychopathes délinquants de Mamadi Doumbouya, là, ces crispilés mentaux, que, vous savez, les Occidentaux, non, quand ils veulent parler, ils ont des systèmes de langage de la diplomatie intellectuelle. Mamadi Doumbouya, on t'a parlé. C'est comme ça qu'on disait à Dadis. Moussa Keïta, Dadis ou la mort. Alaï Serouna, à Dadis, Itana Nabi, candidat Mané. La Guinée langue nanama. Dadis est aujourd'hui. Dadis namindento.
Mamadi Doumbouya, les Américains sont en train de te lancer des paraboles, mais tu n'arrives pas à comprendre. La déclaration de l'ambassadeur des États-Unis tout récemment, je pense que c'était le 8 novembre ou le 4 novembre là. Mamadi Doumbouya, si quelqu'un qui est à côté de toi là, qui connaît la diplomatie là, il va te conseiller de laisser le pouvoir là. La déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à Conakry à l'heure actuelle là, si c'était le 4 ou le 8 novembre là. Mamadi Doumbouya, les Occidentaux te parlent en parabole. C'est langage de la diplomatie intellectuelle. On t'avertit intellectuellement et intelligemment. On te réveille la conscience. Laisse ce que tu veux faire là, ça ne va pas aboutir. Mais Mamadi Doumbouya, tu seras déçu. C'est ce que j'ai dit à tous les Guinéens là. Mobilisons-nous à l'heure là. On doit se mobiliser. Donc, comme je disais là, les Occidentaux là, ils ont de ces langages de la diplomatie intellectuelle. Vous avez entendu, vous avez écouté la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à Conakry. Il a été clair. Il a donné l'exemple de Donald Trump de la démocratie américaine. Mamadi Doumbouya, sauf le peuple, c'est-à-dire le dernier mot appartient au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. On ne peut pas gouverner c'est-à-dire un pays avec les armes. Aujourd'hui, quand on regarde Burkina Faso, Mali, là, République de Guinée, là. Je ne connais pas pour Tiani au Niger, là. Aujourd'hui, le pouvoir de Mamadi Doumbouya est composé seulement de sa famille. Burkina Faso, Ibrahim Traoré aujourd'hui, si tu regardes le pouvoir d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est sa famille qui est, c'est-à-dire, c'est toute sa famille qui est dans le gouvernement. C'est toute sa famille qui est dans le système. Mali, Assimi Goïta, la même chose. Thomas Sankara n'a jamais mené une révolution comme ça. Modibo Keïta, l'histoire de Modibo Keïta là, de 1962, là, Modibo Keïta n'a jamais mené une révolution comme ça. Aujourd'hui, la parole de Choguel Maïga vous choque. Que Choguel Maïga est un traître. Choguel Maïga ne devait pas déclarer. Hey, on ne peut pas défendre les mensonges. Choguel Maïga même, lui-même, il a trahi les Maliens aussi. Parce qu'il était avec les Assimi Goïta. 2 ans de cela, 1 an de cela, ils mangeaient très bien. Maintenant, comme ils ont vu là où ils sont en train d'arriver là, il faut admettre la vérité. La vérité est bonne à dire. Choguel Maïga a fait marche arrière. Il a dit la vérité à Assimi Goïta. Ça touche beaucoup de Maliens. Vous aussi, soyons sérieux un peu, nous les Africains là, soyons un peu sérieux. Soyons un peu matures, matures intellectuels un peu. Est-ce qu'un coup d'État est légitime? C'est une question. Est-ce qu'un coup d'État, un coup d'État est légitime? Dans la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO, dans la charte des Nations Unies, est-ce qu'un coup d'État est-il légitime? Je dis non et non. Comment les gens peuvent venir au pouvoir avec des armes? Ils vont venir prendre le pays en otage. Parce que ça, c'est de prendre une nation en otage. Vous ne pouvez pas venir nous déclarer devant les gens, faire des signatures. Vous promettez la communauté internationale, vous allez faire 24 mois au pouvoir. Après 24 mois, il y aura élection. Après encore, vous venez modifier votre parole. Ce n'est plus crédible. Ce n'est plus crédible. Ne prenez pas des gens comme des analphabètes. Ce n'est plus crédible. Ce n'est plus crédible. Vous avez couru, faire les propagandes. Et comment, je ne sais même pas comment vous appelez votre groupe de 3 pays là. Ça ne m'intéresse même pas. Vous êtes sortis ici, voilà, Mali, Burkina, Niger. Ils vont rentrer dans les BRICS. On vous a dit la vérité. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans les BRICS si tu n'es pas légitime au pouvoir. Aujourd'hui, en Guinée, on nous fait comprendre, tu parles seulement, on a un projet de 2040. Programme de 2040, projet de constitution, avant projet de constitution. Ça dit n'importe quoi, on ne comprend même pas. Français même, qui eux-mêmes, ils fabriquent là, ils n'arrivent même pas à expliquer à quelqu'un. Avant projet de constitution, c'est quoi? Tu vas les dire, ils vont virer. Comme l'autre me disait là, que c'est le projet de grand chemin. Je lui ai demandé si c'est le train, c'est le train, le TGV ou grande ligne. Il peut pas m'expliquer. Il est calé. Avant projet de la Constitution, ça veut dire quoi? Il ne peut pas expliquer ça aux gens. Vous ne pouvez pas venir imposer la dictature aux gens.
Vous n'êtes pas légitime au pouvoir. Vous n'êtes pas légitime au pouvoir. Il faut reconnaître ça d'abord. Vous êtes venu, Assimi Goïta nous disait 24 mois. Ibrahim est venu au Burkina au pouvoir là, quand il a enlevé Daniba ou ce comment là. Qu'est-ce qu'il a dit devant la communauté internationale, Ibrahim? Ibrahim Traoré, ils ont des coutes petites, ils n'ont pas de mémoire. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré nous a dit? Que lui ne va même pas faire 2 ans au pouvoir. Il dit qu'il fait seulement 12 mois. La CDAO a dit non, que c'est petit, il faut prendre 24 mois. Ibrahim Traoré a dit non au début. Ibrahim Traoré nous a dit que lui il peut mettre fin au terrorisme au Burkina pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes en combien d'années? Tout le temps, il y a combien de... Il y a des militaires burkinabés même qui sont dans les fronts là, ils n'ont même pas de quoi manger. Il faut dire la vérité aux gens. Nous, on est là, on n'a jamais détesté Assimi Goïta. On n'a jamais détesté Ibrahim Traoré. Mais on va vous dire la vérité sur les réseaux sociaux. Vous avez commencé un combat noble, mais à la fin, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer la révolution. Vous êtes en train de changer cette mentalité-là. Et nous, on ne va pas vous insulter. On va venir vous dire les bègbè ici-là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, là. On va vous dire les bègbè là, ici-là. Hein? Regardez aujourd'hui au Mali. Regardez aujourd'hui au Burkina. Les opposants, ils sont dans la merde. Les journalistes. Mali, la même chose. Hein? Tout le pouvoir est concentré dans un petit clan familial. Ça, ce n'est plus la révolution. C'est la révolution familiale et privée. C'est une révolution familiale privée du pouvoir. La Guinée, c'est le même système. Mali, c'est le même système. Burkina Faso, c'est le même système. Vous ne pouvez pas venir imposer une constitution aux gens. Vous ne pouvez pas venir faire un coup d'État. Vous allez partir c'est-à-dire les propositions de loi d'une constitution. Vous n'êtes pas légitime. On parle de la légitimité ici, là. L'ambassadeur des États-Unis a été clair à Conakry. Il a dit, les gens ont détesté Donald Trump. Donald Trump a perdu les élections. Joe Biden est venu. Après 4 ans, les gens ont dit encore qu'ils veulent Donald Trump. Et les élections ont été libres, transparentes. Ça, c'est la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis à Conakry. Ils ont dit qu'ils veulent voir la démocratie en Guinée. Vous savez, les Américains ont une dette morale envers cette nation, envers les Guinéens. Ils ont une dette, des dettes morales. Parce que le coup d'État de 5 septembre a été cautionné par les Américains. Donc les Américains, pour se débarrasser de ces dettes morales-là, parce que c'est les Américains sont impliqués dans le coup d'État du 5 septembre. C'est eux qui ont aidé Mamadi Doumbouya à renverser Alpha Condé. Bon, les dettes morales, là, ça fatigue les Américains. Vous avez au Sénat, là, ils ont reconnu eux-mêmes. C'est eux qui ont formé Mamadi, c'est eux qui ont aidé Mamadi Doumbouya à renverser Alpha Condé. Donc les Américains, psychologiquement, moralement, physiquement, ils ont des dettes. Ils ont les dettes de morale envers la démocratie guinéenne. C'est pour cela que les Américains sont en train de s'impliquer pour les élections en République de Guinée. Il faut que ça soit libre et transparent, que les Guinéens choisissent leur propre président, pas venir nous imposer un psychopathe délinquant, un voyou, un petit clan des Malinké comme ça là au pouvoir. Vous pensez que ça va marcher comme ça? Nous, tout ce que j'ai aimé dans l'histoire là, on a 5 témoins dans l'histoire de Mamadi Doumbouya. Et les 5 témoins là, ou les 6 là, c'est les vidéos là que nous, demain ou après-demain, on va prendre, utiliser contre Mamadi Doumbouya à la CPI, Cour pénale internationale. Crime contre l'humanité. Vous allez écouter. Nous, on n'est pas pressé. Maintenant, tout ça là ne vous suffit pas. Vous avez payé des blogueurs ici pour attaquer les blogueurs, les communicants sur les réseaux sociaux. Vous insultez leur maman, vous insultez. Personne ne s'est découragé. Personne. Vous avez payé des gens, ça n'a pas marché. Vous avez formé un petit clan des blogueurs là pour venir vous soutenir là. Ils ne sont pas des vrais communicants. Parce qu'un menteur est égal à un menteur. Un malhonnête est égal à un malhonnête. C'est pour cela que j'ai qualifié Macanera, un chien politicien. C'est un chien. Macanera est un chien politicien qui a faim, qui cherche, qui fouille dans toutes les poubelles pour avoir à manger. De quoi manger? Macanera Kaké. C'est un chien politicien de la République de Guinée. Le plus grand chien de la politique guinéenne, là, c'est Macanera Camara. Macanera
Kaké. Je ne sais pas si c'est Kaké, c'est Macanera. Le plus grand chien de la politique guinéenne. Il fruit dans toutes les poubelles. C'est un chien abandonné. Il est partout. Un prostitué intellectuel. Un délinquant psychopathe intellectuel. Macanera Kaké. Un voyou, un escroc, un gueulard, un menteur. Qu'est-ce que tu vas venir dire aux Guinéens? Tu donnes rendez-vous aux Guinéens. Tu vas venir nous dire quoi? Un escroc mental comme toi. Hier, tu étais avec Alpha Condé. Alpha Condé t'a nommé ministre. Tu lui as manqué de respect. Il t'a dit qu'il était mal élevé. Alpha Condé t'a enlevé. Tu as quitté là-bas. Tu as gâté le nom d'Alpha Condé. Tu es venu chez Seloudalen, IFDG. IFDG t'a récupéré. Il y a ta vidéo là où tu disais toi-même, tu es tombé malade, tu étais à l'hôpital. Personne n'est venu te rendre visite là si ce n'est pas la femme de Selou, l'IFDG. Ça aussi, c'est fini. Tu es quitté là-bas encore. Ça dit, c'est pour cela que je te qualifie d'un prostitué intellectuel. Un chien politicien. Barré politicien, marabolé, c'est Macanera. Sinon, toi, tu ne peux pas te mettre à la disposition de ces petits délinquants comme ça là pour détruire ce pays-là. L'ambassadeur des États-Unis vient t'enseigner encore l'histoire de la démocratie. Il vous a parlé ce qui s'est passé aux États-Unis. Beaucoup ne voulaient pas Donald Trump. Mais comme c'est le peuple qui a révolté, le pays, les citoyens ont révolté, ils ont dit qu'ils vont choisir Donald Trump. Il a été élu. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Toi, Macanera, le chien politicien, Kametoy, Malebekitoy, tu as tellement faim, tu n'as pas dit, tu as oublié comment tu étais sorti ici, tu t'es attaqué à Lamine Girassi, toute sa famille. Tu as insulté toute la famille de Lamine Girassi ici, non? Son papa, toute sa famille. Aujourd'hui, c'est toi, Macanera, en tant qu'un intellectuel, et toi et Baouri, là, des psychopathes criminels, délinquants, intellectuels que vous êtes, vous allez vous rendre devant, vous abaisser devant ces petits clans malinqués, ethno, du pouvoir là, des sanguinaires comme ça, pour dire que vous allez soutenir ces psychopathes criminels au pouvoir, qui n'a même pas le certificat d'examen de la sixième année. C'est vous qui allez venir aujourd'hui dire que vous allez soutenir Mamadi Doumbouya. En vertu de quel droit de juridiction? Quand tu parles, non, Simandou 2040, le projet, ça dit, je comprends même pas. Mais nous, les vidéos de Mamadi Doumbouya, là, 5 ou à 6 vidéos, là, on a témoin. Le premier témoin, là, c'est lui-même, Mamadi Doumbouya, qui a juré devant les gens, qui a prêté serment à son article 47 devant le monde entier, devant la communauté internationale. Il nous a présenté une charte à laquelle aucun Guinéen n'a participé. Lui-même, il a inventé ses propres chartes privées, là. À son article 46, il a dit ce qu'il devrait dire. D'après ça, là-bas encore, Amara est venu nous dire que comme témoin. Nous, on n'est pas pressé. Amara a témoigné aussi que Mamadi Doumbouya est un homme de parole. Ousmane Marabolé Gawal aussi est venu nous dire la même chose devant France 24. Alain Focard avec Mamadi Doumbouya, il dit l'armée, c'est l'honneur, c'est la parole. Nous, on n'est pas pressé. Le 1er janvier 2025, on va montrer Mamadi Doumbouya que la Guinée n'appartient pas à un petit clan délinquant criminel, à un petit clan délinquant voyou, ethno au pouvoir. La Guinée ne vous appartient pas. Aujourd'hui, tellement que vous êtes tombé, Affaire d'Air Guinée là, vous ne pouvez plus coller Affaire d'Air Guinée à Seloudalen. Vous ne pouvez plus coller Affaire des vidéos montages là, contre Seloudalen. Maintenant, vous passez par des blogueurs jusqu'au Sénégal pour dire aux blogueurs là, ils n'ont qu'à venir faire votre propagande, votre démagogie là, pour dire que Seloudalen est en train de payer les blogueurs, Seloudalen est en train de financer les blogueurs pour vous insulter. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez aucune. Vous n'avez aucune dignité humaine même. Maintenant, vous n'avez pas de blogueurs en Guinée. Vous n'avez pas de communicants. Il faut venir jusqu'au Sénégal. Vous mettre en contact avec les blogueurs, les communicants sénégalais. Sur les réseaux sociaux, ils vont venir diffamer Selou encore. Que Selou est en train de regrouper les peuples contre le Mamadi Doumbouya. Est-ce que Mamadi Doumbouya est illégitime? Il a eu la chance même. Mamadi Doumbouya a eu la chance. Si Seloudalen n'a pas pris les armes contre lui, il n'a qu'à dire Alhamdoulilah et Rabbil Alamina.
Si c'est les communicants que vous cherchez aujourd'hui là, pour accuser ces Loudalen, tout ça là pour dire, vous allez ouvrir encore des procès contre ces Loudalen. Il est en train de payer des blogueurs sénégalais, les peuples veulent se mobiliser pour venir renverser. Hey, si quelqu'un renverse Mamadi Doumbouya aujourd'hui, la personne là sera légitime comme Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, la démocratie de la République de Guinée aujourd'hui, il faut seulement chercher des armes. Il faut t'armer, tu rentres en Guinée, tu déloges Mamadi Doumbouya. Tu arrives à la RTG là, tu fais passer tes décrets, tes communiqués là, tes communications là, tu es devenu président de la République. Transition, après un an, tu réclames que tu es président de la République. En Guinée, il n'y a pas d'élection. Hein? En Guinée, il n'y a pas d'élection. Il faut chercher seulement les armes. Tu cherches les armes, tu viens de... Il a fait la même chose, Alpha Condé. On peut faire la même chose contre lui. Il n'est pas légitime. Il a enlevé Alpha Condé. Il a tué plus de 200 et quelques morts. Jusqu'à aujourd'hui, les familles victimes ne connaissent même pas où se retrouvent même le, c'est-à-dire les corps de leur mari, de leur papa, de leur frère, de leur oncle. C'était criminel là encore que les gens là vont venir nous dire qu'ils vont le soutenir. Après avoir jugé les dadistes, les condamner, les foutre en prison, Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Dadis Camara. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Kegboro. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Pivi. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que qui encore? Les Kassori, etc., etc. Les Kassori sont détenus en prison sans preuve d'accusation. Ça fait 2 ans et bientôt 3 ans et quelques. Les Kassori sont en prison. Hein? Aujourd'hui, on nous parle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, l'argent qu'ils ont détourné à la douane, on nous parle de 70 millions de dollars. C'est pas 70 millions de dollars. Hein? C'est 115 millions de dollars. Et les proches de Mamadi Doumbouya qui sont impliqués dedans, d'ici samedi, là, vous allez avoir encore d'autres nouvelles. Parce que Mamadi Doumbouya connaît tout ce qui s'est passé. Ils ont dit tout à Mamadi Doumbouya. Même les amis proches de Mamadi Doumbouya, ils étaient impliqués dans l'affaire là. C'est 115 millions de dollars. C'est pas 70 millions de dollars. L'histoire de détournement de l'argent à la douane, c'est 115 millions de dollars, équivalent de 115 millions de dollars. Les proches de Mamadi Doumbouya, Idi Amin aussi impliqué dedans. Beaucoup de personnes qui sont à côté de Mamadi Doumbouya, vous allez voir dans ces jours-ci là, Mamadi Doumbouya va commencer à faire des décrets, dégager certaines personnes. On lui a tout le temps dit qu'il est devenu gâteau d'anniversaire, Mamadi Doumbouya. On t'utilise comme gâteau d'anniversaire. Laisse le pouvoir là. Dieu te montre chaque jour les preuves. Vous arrivez à Zérékouré, vous arrivez à l'abbé, vous utilisez les enfants qui sont en classe. Vous partez faire sortir les enfants. Vous les remettez 7 000, 10 000 francs guinéens pour acheter des tapalapas. Vous partagez le J Coca-Cola, le pain aux enfants là pour venir soutenir Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mamadi Doumbouya, l'amour ne se force pas. Hein? L'amour ne se force pas, Mamadi Doumbouya. Tu nous as dit que tu es venu faire de l'amour aux Guinéens. Tu as enceinté tous les Guinéens. Tous les Guinéens sont enceintes de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. C'est ça la démocratie. Vous venez braquer un pays. Vous venez braquer un pays. Vous voulez manicatiser le pouvoir encore. Vous voulez manicatiser l'armée. Vous voulez manicatiser l'administration. Tout dans le pays, il faut que ça soit manicatisé par un pouvoir ethnique. Ethnie, ça ne peut pas marcher. Nous sommes en plein 21e siècle. Sierra Leone, ils ont organisé les élections. Il n'y a pas eu de mort. Liberia, George Weah, il a perdu les élections. Il a reconnu qu'il a perdu les élections. Liberia, George Weah a perdu les élections. Il a reconnu qu'il a perdu les élections. Hein? Liberia. Sénégal, là, Macky Sall a perdu les élections. Macky Sall a perdu les élections. Ils sont partis aux élections législatives. Le clan de Sonko et Dioma Faye ont gagné. Vous avez vu la démocratie. Comment ça dit, comment la démocratie, si la démocratie existe dans un pays, vous avez vu comment tout le monde est content? Vous avez vu comment les gens sont contents de la démocratie? Est-ce qu'il y a eu des problèmes là-bas? Ils ont fait campagne, ils sont partis aux élections présidentielles, législatives, Liberia, un petit pays, Sierra Leone, un petit pays comme Sierra Leone aussi.
Ils ont organisé les élections. C'est fini, c'est lui qui a gagné. On les a. Ils ont pris le fauteuil. Ils sont en train de gérer le pays. Il n'y a pas eu de mort. Mais en la démocratie en Guinée, comme ça se prononce, il faut seulement chercher des armes. Il faut t'armer, tu formes un petit clan, tu rentres en Guinée, tu renverses Mamadi Doumbouya comme ce qu'il a fait Alpha Condé. Tu le renverses, tu récupères le pouvoir. Tu vas à la RTG, tu te déclares président de la transition. Après un an, tu dis que tu es président de la République. C'est ça, non? Des farfelus comme ça, là. Des ignorants comme ça, là. Avant projet de la Constitution. Vous prononcez même de français même qui n'existe même pas dans le vocabulaire. Attendez. Nous, on est très, très contents de Mamadi Doumbouya. Les vidéos, là, vont te prendre. Les témoignages, là. Et on va écouter ça ensemble. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école en Guinée? Vous êtes les seuls qui sont intelligents à tromper 14 millions d'habitants. Ça va retomber sur vous. Ça va vous attraper un à un. On va écouter ça. Écoutons ça ensemble. Hein. Bientôt. Hein. Vous pensez que la Guinée appartient seulement à l'ethnie malinké. Vous n'avez rien compris encore. Écoutons Mamadi Doumbouya. Écoutez très bien. Moi, Mamadi Doumbouya. Écoutez. Président de la transition. Uh-huh. Je jure devant le peuple de Guinée. De Guinée. Uh-huh. De préserver de en toute loyauté. La souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. Les dispositions de la charte de la transition. La dignité humaine. Les lois et règlements de la République. Uh-huh. Et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. Après. Et consolider les acquis démocratiques. Uh-huh. Et garantir l'indépendance de la patrie. Uh-huh. Et l'intégrité du territoire national. Mm-hmm. Je m'engage solennellement mm-hmm. et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition. Écoutez, pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. Mm-hmm. Après, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. C'est fini. C'est le français, il a parlé. Il a prêté serment sur le français ici. Hein. C'est fini. Il a prêté serment dans la langue molière, dans la langue française ici. C'est clair. Que s'il ne respecte pas la loi, que la loi soit appliquée contre lui. C'est tout. Mais dans leur tête là, comme ils ont manicatisé la Cour constitutionnelle, ils ont manicatisé la Cour suprême et ça va se passer comme ça. Vous dormez debout. C'est le français qu'il a utilisé ici. Il dit... Je m'appelle Mamadi Doumbouya. Je m'engage. Vous avez écouté encore? On va écouter pour une dernière fois. Des analphabètes que vous êtes. Pensez que Mamadi Doumbouya peut venir dire il est plus que Dadis. Mamadi Doumbouya est plus que Dadis. Hein? Il condamnait Dadis. Lui, il vient tuer les gens. Il va se cramponner au pouvoir parce qu'il est malinqué, parce qu'il a des armes. Vous n'avez rien compris. Au moins, c'est comprendre. Vous allez voir après. Mamadi écoutez. Président de la transition. Attendez, tu vas commencer. Donne-nous ton... Hey, calme-toi, Doumbouya. Donne-nous ton nom et prénom d'abord. Comment tu t'appelles? Mamadi Doumbouya, dis-moi comment tu t'appelles, nom et prénom. Et puis, tu te présentes, tu es qui?